Ouais, shalom, shalom. Nous sommes à cette date aujourd'hui, le samedi 14 juillet 2018. J'en profite pour parler, pour dire bonne fête d'indépendance aux Français. Français, hein, bonne fête d'indépendance. Nous aussi, on a besoin de ça chez nous. Bah, donc, que Dieu bénisse, n'est-ce pas? Et puis, nous sommes, n'est-ce pas, Genève, n'est-ce pas, pour les sangs de baptême. Ça fait partie un peu de mon programme. N'est-ce pas, quand vous gagnez des âmes à Christ, n'est-ce pas, la suite, c'est à baptiser les gens. Pour que ces personnes puissent prendre un engagement vis-à-vis de Dieu et des hommes. Ça, c'est vraiment très important. C'est un signe très fort pour la restauration de la vie de ces personnes et de les faire entrer dans une autre dimension de la chrétienté. Voilà. C'est comme ça, Jésus, il a respecté les étapes. Donc, dans la chrétienté, il y a des étapes, il ne faut pas griller. Jésus a eu l'âge de 30 ans, il part vers Jean-Baptiste, s'est fait baptiser. Et le baptême que Jésus a connu, c'est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous allez me dire, mais comment tu peux penser que c'est au nom du Père? N'est-ce pas? Il y a d'abord le Père, n'est-ce pas, le Fils qui était dans l'eau. Il y a le Père, une voix, il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, n'est-ce pas, en qui j'ai mis toute mon affection. La voix s'est fait retentir dans le ciel. Et la Bible dit qu'après ça, il y a une colombe qui est venue se poser sur l'épaule de Jésus. Donc, c'était la représentation, n'est-ce pas, de ces trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça qu'il dit dans Matthieu 28. Il nous dit ici dans Matthieu 28, allez, c'est ce que nous sommes en train de faire par la grâce de Dieu. Allez et faites des nations les disciples. Et baptisez-les. Voilà, c'est important. Allez. Matthieu 28. N'est-ce pas? Matthieu 28. Excusez-moi. Matthieu 28, à partir du verset 19. Verset 19 et verset 20. Il dit, allez faire des nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le verset 20. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà, donc nous répondons, n'est-ce pas, aux critères bibliques. Nous répondons à une vocation, aux recommandations du Seigneur. C'est vraiment important. Je dis, c'est un moment très important et très merveilleux de se retrouver aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et pour ceux qui sont en France et dans toute la France, n'est-ce pas, et ceux qui n'ont pas, même en Belgique, partout, n'est-ce pas, qui n'ont pas eu le temps, n'est-ce pas, ce 21-là, c'est-à-dire le samedi prochain, il y aura encore des séances de baptême. J'en profite aussi pour vous annoncer qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est un de nos prières. On a inauguré l'église à partir, n'est-ce pas, de 12h à 15h. On a prié pour que la âme nous accorde assez de temps. Donc ce dimanche, demain, je serai bien en France parce que demain, je prends mon vol ici à 9h. J'arrive en France à partir de 10h. Donc j'ai une heure de vol et je serai à la salle parce que la salle, ça commence à partir de 14h et cette fois-ci jusqu'à 20h. Les démons et les œuvres, c'est un message très fort parce qu'après la conversion, il faut voir si réellement tu es délivré. Ça, c'est vraiment très important et c'est le message très fort que je vais donner. Comment identifier les démons? Comment les démons peuvent travailler au travers des corps des personnes? Mais d'abord, se convertir est un miracle de Dieu. Il dit, personne ne peut venir à moi sans que le Père l'accueille. Donc la conversion ne vient pas de toi. C'est pour ça que la Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. C'est parce que tu as cru que c'est la foi. Afin que personne ne se glorifie. Donc Dieu t'amène à croire. Et malheureusement, ceux qui ne croient pas, leur destinée, c'est l'enfer. Voilà. Voilà, leur destinée, c'est l'enfer. Et c'est qui nous réjouit? On dit qu'il y a beaucoup d'appelés, il y a peu de lui. Nous prions Dieu pour que ces personnes font partie des élus. Ça, c'est vraiment très important. Ce baptême, que ça ne soit pas en vain, mais que nous puissions un jour nous retrouver dans la félicité céleste, afin de pouvoir, n'est-ce pas, nous réjouir. Parce que, qu'on veuille ou pas, le ciel existe, le paradis existe. Un jour, nous serons un jour appelés. La mort pour nous est, n'est-ce pas, pour nous le retour de Jésus. Voilà. Donc, ce matin, nous allons prier. D'abord, nous allons prier et confier cette rencontre. Nous allons nous taper les mains. Et nous allons confier la rencontre à Dieu, demander au Seigneur de bénir chacun d'entre nous. Tu fais le tour de vidéo. Voilà, nous prions que chacun prie pour que ce baptême-là soit vraiment quelque chose de fort pour chacun d'entre nous. Que ça soit un moment, n'est-ce pas, puissant. C'est un moment où Dieu restaure la vie de nos bien-aimés. Un moment où ces personnes-là vivront, n'est-ce pas, la grâce et la plénitude, la puissance de Dieu. Voilà, donc
Nous prions, Seigneur, merci pour cette rencontre ici en Suisse, précisément à Genève, Seigneur. Il est maintenant l'heure de passer aux eaux de baptême. Nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire pour cette rencontre. Merci pour cette grâce, merci pour cette rencontre de notre Dieu. Merci de coordonner toutes choses. Merci d'agir maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce. Merci de te manifester au nom de Jésus. Amen. Ceux qui veulent être baptisés, mettez-vous devant moi. Dans le nom de Jésus. Ceux qui doivent passer aux eaux de baptême. Voilà. Mettez-vous là devant. Abel, comme ça. Voilà. On a trois candidats ici, c'est ça? Non, c'est pas. Ah oui. Alex a fait des culottes. Il veut enlever le chocolat. Non, après, dans l'eau là-bas. Voilà. C'est un baptême. Nous sommes. Moi, je suis pasteur prof. Pentecôtiste, évangélique, notre baptême, c'est pas immersion, c'est-à-dire Amen. Un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tel comme vous ne le savez pas, d'abord la question que vous êtes posée, est-ce que vous décidez aujourd'hui d'abandonner le monde, le diable et de suivre Jésus? Oui. Oui. Ok. Oui. Sur cette déclaration, quand vous avez fini, c'est ça. Je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu meurs et tu ressuscites avec Jésus. Amen. Voilà, ce voici, c'est tellement simple. Amen. Vraiment, les anges sont là, n'est-ce pas? La gloire de Dieu est là pour vous entendre. C'est comme si tu aimes une chérie, n'est-ce pas? Et après ça, vous concrétisez la chose, n'est-ce pas? Amen. Voilà, vous allez concrétiser votre amour pour le Seigneur. Vous allez vous engager dans beaucoup de choses concernant le Seigneur. Amen. Amen. Voilà, donc c'est tellement simple. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que tu décides aujourd'hui de marcher avec Jésus, d'abandonner le monde, le diable et de le suivre toute ta vie? Oui. Voilà, sur cette déclaration. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Meurs et ressuscite avec Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. N'ayez pas peur. Et c'est quand on se baptise qu'il vient la persécution. Amen. Amen. Yes. Ah, vous ne savez pas? Non. Je vous prépare déjà ça. Quand Jésus a été baptisé, il est rentré dans le désert. Ouais. Voilà. C'est là. Mais n'ayez pas peur du désert. Non. Le désert, ça forme. Après son baptême, il est rentré, il a fait. C'est cela que maintenant, après le baptême, puisque le diable sait que vous avez pris un engagement, il va commencer à vouloir vous ramener en arrêt. Parce qu'il n'est pas content de cette déclaration. Ça ne fait pas plaisir au royaume de Dieu. Ça prend plutôt. Et la Bible dit, quand un pécheur se repent, le ciel est dans la joie. Donc, Amen. Vous allez, n'est-ce pas, réjouir le ciel de par vos déclarations. Mais n'oubliez pas que le diable est là. Mais en même temps, heureusement pour vous, je pense que vous avez beaucoup réfléchi. Parce que ça fait un moment qu'on est ensemble. Il y a eu beaucoup d'enseignements et tout ça. Et après cette rencontre, on aura à 20h, je précise très bien, à 20h, on aura une rencontre ensemble pour briser toutes les formes d'hôtels sataniques dans votre vie. Et je vous donnerai l'enseignement pourquoi on le fait, pourquoi on doit le faire, pourquoi c'est vraiment important de le faire, parce que ça vous débarrasse, et c'est comme ça moi j'ai l'habitude de faire, ça vous débarrasse de tous les liens, les formes de malédiction, pour que dans votre marche chrétienne, vous ne soyez pas pris par un filet, des filets de malédiction. Vous ne soyez pas emmerdés par l'esprit du célibat, parce que c'est important. Il y a des gens qui vont à l'église, mais ils sont emmerdés par un esprit de célibat, parce qu'il y a un esprit de la famille qui ne veut pas qu'on se marie. Il y a un esprit de pauvreté qui ne veut pas qu'on s'enrichisse. Non. Donc c'est tous ces esprits-là, que ce soit, qu'on va dire, à partir d'aujourd'hui, nous déclarons devant Dieu, devant le diable. Et que maintenant, voici ça. Parce que la consécration veut dire on te dédie à un Dieu. Amen. Amen. Voilà, ça veut dire on te dédie. De toute façon, nos parents vont au village, quand les enfants naissent, ils vont les confier aux démons. Mm-hmm. Qu'est-ce qui n'est pas dit? Peut-être que certainement la vie de certaines personnes ont été confiées, ou votre destinée a été confiée aux masques, aux rivières, aux esprits. Même dans vos chrétiennités, vous avez cette influence-là, satanique. Et c'est ça, nous devons rompre, c'est un divorce qu'on doit prononcer entre vous et ces démons. Donc après le baptême, comme aujourd'hui on voit les sciences, c'est pour ça que le 22 prochain, nous aurons aussi beaucoup de choses à faire ensemble. Mais j'ai prié Dieu pour que ce soir, qu'on puisse prendre la première communion. À 20h. Amen. Amen. Voilà, qu'on puisse prendre la Sainte Cène ensemble, manger le corps du Christ ensemble. Amen. 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 C'est du vin et du pain. Amen. On prie, c'est ça. Voilà, et puis on a des paroles, on prie là-dessus, c'est tout. Le vin représente le sang de Jésus. Amen. Le pain, c'est le corps de Christ. J'aurai l'occasion d'expliquer ça. Et puis on boit, n'est-ce pas, pour renouveler notre alliance avec Dieu. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse, que Dieu fortifie.
On va aller aux eaux de baptême. Vos démons doivent rester dans l'eau. L'esprit de célibat, tu dois rester dans l'eau. La pauvreté, tu vas rester dans l'eau. L'esprit d'influence, de limitation restera dans l'eau. Voilà. Pendant que les blancs sont en train de se laver dans le lac, nous procédons aux choses de Dieu. Ne soyez pas scandalisés de ce que vous allez voir. Vous les connaissez très bien, mieux que moi. Voilà, donc ne voyez rien, suivez seulement le baptême. Nous sommes en plein bordure d'eau, ici c'est en été, donc les gens ils se mettent, ils sont à moitié nus, ils sont, voilà, donc c'est pas ce que vous devez regarder. Le monsieur là occupe nos escaliers là. Le monsieur est en train d'occuper les escaliers. On peut descendre. Ok, donc on descend. Non, là-bas. Tu me suis, monsieur. Sinon, tu ne peux pas voir une vieille se mettre comme ça pour dormir. Tu ne veux pas aller voir Bia en petit caleçon pour dormir. Vous là, vraiment. Ne vous inquiétez pas, je suis un maître nageur. Je vous rassure déjà. Mais tu vas descendre avec quelqu'un, papa. Ma fille, j'ai dit je suis un maître nageur, donc ne t'inquiète. J'ai dit c'est qui tu prends. Tu mais oui, je suis un maître nageur, donc ne vous inquiétez pas. L'eau et moi, on se connaît. Non, il va tenir d'abord. Donc n'ayez pas peur. Venez descendre. D'abord, je vais enlever la chaussure. Non, là, papa. Non, si. Ici, là, ça glisse parce que. Il n'y a pas de marée ici. Voilà, là c'est mieux. Là, tenir la rampe. Oui, là où il y a la rampe. Bon, là tu vas descendre jusqu'à. Tu traverses le tour noir, ça. Oui, là où le métier, la vie, c'est là-bas. Où tu y passes, c'est un peu plus profond. Peut-être que je les tiens pas à la main quand ils sortent. Bon, Guédé, tu vas venir en travail. Mais il faut que Guédé soit avec moi. Bon, il faut que Guédé soit avec moi. Qui? Guédé. Normalement, comme ça, quand on finit, il faut que quelqu'un vienne m'aider. Oui, oui. Parce que quand je vais plonger, il faut notre personne. Je viens avec toi ou bien? Moi, je vous laisse. Après, on va faire. Non, ne t'assois pas, on est rapide, on va pas durer. Non, on ne dit pas. Ah, non. Il y a trop de courant hein, dans l'eau. Il faut forcément un homme. Mais attends, tu vas le baptiser. Non, parce que la manière de baptiser là, on plonge. Hein. Tu vas le baptiser. Ou bien jeune étudiant. Maman, faut regarder la petite là. Elle est là. Attends, une seule personne, ça. Attends, il finit avant que vous mettez. Laissez-la. T'as ton linge où tu dois arrêter en même temps. On va te prévenir. Tu vas sortir, ça va te prendre. La serviette. C'est dans le sac là. Oui, le sac Bédia là. C'est trop, là c'est profond. Génial.
vous créez la peur. Venez. Ne soyez pas cool, c'est tout. Viens, viens se courager. Ah, Guéry ne veut pas rentrer. Oui, il veut pas. Ah, là, je le comprends. Guéry, l'eau n'est pas de camarade. Non, non. Que nous envoyer ici. Voilà, on a placé la chambre. Venez maintenant, le décor est planté. Une personne vient d'abord, oui. Comme ça, moi, il peut m'arrêter ici. Non, mets-toi là. Voilà, qui devant la caméra. Interdit au coup, hein. Celui qui est goût sera la vallée. Oui, descend. Si tu es goût, tu as des problèmes, ça va boire un peu d'eau, mais je vais te sauver. Non, arrête, oui. Non, je me couche dans le petit débat. Non, mets-toi comme ça. Devant Dieu le Père, devant Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, devant le diable, devant tout ce monde ce matin. Décides-tu de marcher avec Jésus-Christ et vivre toute ta vie? Sur ta déclaration, sur cette déclaration, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais prenez la photo, c'est important. Voilà. Prenez la photo. Prenez les photos. La plus blanche neige. La devant Dieu. Où est son linge? Son linge. Et si tu de marcher avec Jésus tout à l'heure, sur ta déclaration, je te baptise au nom du Père Jésus. Et ressuscite avec Jésus. Tu as pris pour voir. Ça va tomber dans. C'est tout ça, tu me couvres. Ça tombe pas. Attends, ça va tomber. Baptise pas. J'ai enlevé déjà la boucle, donne. Ça va tomber, c'est pas grave. Devant Dieu le Père, devant le Père, devant les anges, et devant les démons, devant tout ce monde. Et si tu veux marcher en Jésus-Christ et toute ta vie. Au nom de Jésus. Oui, oui, j'accepte. Voilà. Jésus, c'est ta déclaration. N'est-ce pas, maman? C'est ta déclaration. Laisse-toi comme ça. Je te baptise au nom du Père, du Fils, etc. Et ressuscite avec Jésus. Amen. Alléluia. Ça bouge. Ça bouge. On a dit, non? Voilà. C'est un fruit de. On a gagné des âmes. Toi, tu dois descendre. Toi, non, laisse-le. On a commencé. Moi, c'est lui même que passer avec un pauvre. Non, ma vie. Non. Moi-même, là, il peut nager ici. Ah, moi, c'est moi, il moi, il regarde mon papa. Ça. Toi, tu as oui, c'est moi, ça. Alléluia. Tu me vois comme ça, il a fini beaucoup de choses. Devant Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, devant les anges, devant le diable, décide-tu de marcher avec Jésus toute ta vie. Sur cette déclaration, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Père, et du Fils et du Père. Amen. Ouh, papa. Amen. Oh, bon, papa, prenez la serviette là de papa. Là. Prends la serviette. Alors, tu m'as sauvé. Ça ne retourne plus, hein? Oui, je te laisse avec. Ah. Alléluia! Jésus m'a sauvé. Je ne sais pas dans
Même je le sais, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia. Alléluia. Papa, je ne pas. Venez une dernière fois. Je le sais. Monsieur, viens. Il m'a cherché et trouvé. Cette CD ne retournera plus. Il m'a donné son salut. Alléluia. Alléluia. Ce que nous venons de faire, vous rentrez, n'est-ce pas, une autre dimension de la chrétiennité, il y a accepté Jésus et il y a être baptisé. C'est une autre dimension. Voilà. Ah, j'ai fait la vidéo. Non, voilà, ils sont en train de faire la vidéo directe. Et que votre baptême soit vraiment un baptême qui vous fasse rentrer dans une autre dimension de l'amour et d'une manière sincère, la marche véritable chrétienne. Et je prie que Dieu, dans sa souveraineté, vous aide. Vous êtes, n'est-ce pas, à marcher avec Dieu, avec Jésus-Christ, quels que soient les vents et marées. Parce qu'aujourd'hui, vous avez décidé de marcher avec Jésus-Christ. Et puis vous avez pris cette déclaration, vous l'avez confirmée, n'est-ce pas, publiquement. Vous avez confessé publiquement Jésus-Christ devant les hommes. Vous avez confessé publiquement Jésus. Vous avez décidé d'abandonner le monde. Vous avez décidé d'abandonner le monde. Et donc, que Dieu, dans sa souveraineté, vous soutienne. Que Dieu, sa souveraineté, vous aide. Amen. Parce que vous avez pris un engagement. Un engagement. Et quand on prend un engagement, la Bible dit que ton oui soit oui. Amen. Et que ton non soit non. Amen. Et nous savons que Jésus même a dit sans lui, nous ne pouvons rien. Amen. Alors que Dieu, dans sa souveraineté, vous fortifie et vous donne un esprit de persévérance. Amen. Et vous aide, n'est-ce pas, à marcher. Personne ne peut dire sur cette terre, marcher avec Jésus, ce n'est pas facile. Non. Non. Mais là-haut, nous avons une bénédiction. Et que Amen. Dieu vous aide. Amen. Seigneur, merci que leur marche chrétienne maintenant, ceux qui ont décidé de prendre l'engagement de marcher avec toi, Seigneur éternel, notre Dieu, je te prie, dans ta souveraineté, de les bénir. Bénis-les, Seigneur, notre Dieu, et que ta grâce abonde dans leur vie, et que ta main puissante se manifeste. Si éventuellement, il y avait encore des choses bizarres dans leur vie, que ces choses soient neutralisées dans Amen. Le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Merci Amen. De les aider, Seigneur, à avoir l'amour, Seigneur, notre Dieu. Que tout esprit qui veut les amener à retrograder soit brisé, vaincu. Et aide-les encore à fermer leur foi. Soutiens-les. Au nom de Jésus que je prie. Amen. 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 Sois béni. Je vais me réveiller.
Jésus, dans le Dieu de vos salut. À Jésus, mon roi. On va partir, j'aime échanger. C'est où on s'échange? Là, il y a des salles là. Voilà, c'est important. À Jésus, mon roi. Nous sommes les petits.